Eh bien, salut à tous, c'est Stramfun. Aujourd'hui, nous allons voir euh, comment créer des murs invisibles. Donc alors, ceci est tout simple. Donc là, euh, j'ai créé cette scène donc avec notre joueur ici au milieu. Donc là, vous voyez, là le, le joueur pourra aller n'importe où, pourra sortir de la map, vous voyez. Et donc nous, on voudrait qu'il qu puisse rester uniquement dans, dans ce dans cet endroit-ci, entre les entre les collines. Donc on va aller choisir. Euh, donc alors un objet qui est très pratique, c'est euh, les panneaux. Donc on va aller chercher donc euh, le panneau. Voilà, panneau A. Vous allez prendre celui-ci. Donc là vous avez votre panneau qui est qui est arrivé. Donc hop, on va le placer. Et, euh, et donc on va aller étudier. On va aller dans déjà dans son cerveau. Donc là vous voyez que dans son cerveau il euh, y a déjà détect quand, quand ça détecte le joueur, il y a donc ça marque un message au-dessus. Donc nous on veut que rien ne se passe même quand le joueur est à côté. Donc on va tout simplement supprimer euh, cette ligne voilà, pour que son cerveau soit complètement vide. Que ce soit un objet normal. Euh, et donc maintenant on veut qu'il soit invisible. Donc on va faire donc LB ensuite modifier A. Voilà, on va dans Propriétés, Apparence, et là, visible, donc on met Off, voilà, désactivé, et on met que les ombres soient aussi euh, désactivées. Donc là, vous voyez en bas à droite, vous voyez que les ombres euh, n'y sont plus. Voilà, donc la couleur, du coup, on s'en fiche, vu que le panneau sera invisible. Et hop, vous pourrez revenir euh, dans le monde. Hop. Donc là, on va sélectionner le panneau. Et alors maintenant, avec les donc avec l'outil de rotation, donc en appuyant sur la sur LB, voilà, en appuyant sur LB, hop, vous, donc vous avez le menu en bas qui s'affiche et vous pouvez augmenter l'échelle, hop, vous pouvez aller, vous pouvez l'augmenter assez assez fortement. Et donc là, hop, vous placez vos différents murs comme ceci. Hop et voilà. Et donc là, quand on va revenir en jeu, vous voyez, il y a le joueur qui avance et là, ah, bah là il est bloqué là. Hop. Donc vous voyez si vous faites une carte un peu libre comme ça, et que vous voulez pas que le joueur puisse aller n'importe où dans, dans, dans le monde, vous pouvez donc placer justement des, des murs invisibles. Donc après il faut bien faire attention donc, à, la, à la taille. Alors, il faut faire attention à son environnement. Par exemple, là, je pouvais quand même grimper, sachant que euh, mon mur invisible fait pas tout le tour. Du coup, là, je peux sortir et passer de l'autre côté du mur. Voilà. Donc, il faudra pour faire vraiment des niveaux fermés, il faut vraiment adapter donc l'environnement et, et faire une bonne utilisation. Excusez-moi, une bonne utilisation. Donc, des murs invisibles. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.